Alors, les collectivités publiques de notre district ont choisi de remettre leurs actions Télé-Dôle au conseil régional pour que ce dernier devienne en fait le propriétaire de ces actions. Et là, le CODIR présente un préavis pour la reprise officielle de ces actions avec la part de cautionnement qui est liée, puisque les collectivités publiques s'étaient engagées auprès d'un prêt de LDER, et puis on devient cautionnaire de ces plus de 2 millions de francs sur les actions de Télé-Dôle. Donc c'est la fin de la procédure visant à ce que Télé-Dôle soit géré par la région. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration de Télé-Dôle SA, hein, qui est une entité, et ce n'est pas le CODIR qui gère entièrement Télé-Dôle. Télé-Dôle est un propre organisme, mais le conseil régional se retrouve propriétaire de plus de 86% des actions de Télé-Dôle. Avec une particularité, il reste quatre communes qui ont choisi de ne pas céder ces actions et de les conserver. Oui, exactement. Donc quatre communes restent propriétaires de leur action. Dans ces quatre communes, il y a trois communes qui ne sont pas membres du conseil régional et Vic qui est membre mais qui pour l'instant a choisi de garder ses actions.